On se retrouve avec un nouvel épisode sur sur Soul Calibur 6, c'est le mode chronique d'âme, et du coup on va partir sur Taki. Après l'épisode un peu bizarre de la dernière fois, Mise et Salamel, Mitsurugi. Et donc voilà, on va partir tout de suite. Je vais quand même enlever la cam. Pour éviter que vous me voyez boire, manger. Ah, sans jamais. Cogner mon bracelet contre le bureau, si ça peut pas mal. Known as the Dark Hunter, his request to find Soul Edge ended in a confrontation with Cervantes, the greatest foe she had yet. She returned Sofitia, the young girl she saved in battle, to her homeland, and then Taki too made her way back home. Foremost in her mind was the mending of her sword, which she intended to do using a shard of Soul Edge. Alas, the two swords. Y'a trop de blabla, hein. Je passe à moitié les discours parce que sinon. Makimaru. Without this, wielding such a sword requires. Du moment que moi j'ai le temps de lire, je pense que vous avez le temps de lire, ou alors mettez sur pause. Hein. But I never expected Soul Edge and Makimaru would fuse. However, this power is so intense. I find. Geki? Makimaru belongs to Master Toki. So Makimaru still wasn't safe. This sword must not fall into Toki. Watch your mouth! It's Master Toki to you. Not anymore. Why do you still follow him, even though he's lost? You're getting sloppy. I don't know what you did to that sword, but I'll be taking it from. Bon, allez, on va botter le cul à 2-3 pécores là qui se prennent. J'aime pas le Taki. J'aime que les gens qui se battent avec des grosses CP. Même si Nightmare il est un peu lent. Gros marteau, c'est forcément un Star Wars style. Bon, ils sont deux, ça va. Oh, too easy. Allez, envoie le deuxième. Envoie la petite sœur. Oh, style de Mitsurugi. Ah merde. Putain, j'allais me dire, il y a des techniques quand elle est de dos, mais c'est dans Dead or Alive. C'est des techniques qu'on est de dos avec Yami. Pas avec Taki. Mais c'est très Kunoichi, hein. Whoa, so this is Meki. Damn. Let's see. Stop, Geki. What the? What? No. After her. Oh, lol. It seems I'm stuck with the sword, but its power is too great. C'était Big Boobs Kunoichi. Enfin bon, dans le live c'est un peu plus abusé, mais ouais. À la porte 8 du Yasunobe, Toki, le chef du clan Fuma, était un mentor pour Taki. Cependant, Toki a été pris de folie depuis bien longtemps à cause de son obsession malsaine pour Makimaru. Personne n'a constaté ces changements, plus que Taki. Et Yasunobe, qui travaillait directement sous les ordres de Taki, essayait constamment de prendre sa place. Puis un jour, Maki, un des chefs de la faction Yasunobe, a parlé devant elle. Did you really think you could escape? And you, Maki? Just another hopeless Toki loyal. Don't you see him for what he's become? Elle s'appelle Maki. Voilà. That's a good point. Allez, là-dessus, merci. Toki says that if you play nice and do you really think I knew you'd say it's true though. And poison powder. Oh là là, une ninja qui utilise de la poudre empoisonnée. C'est tellement. Je sais pas. À vous de compléter ma phrase.
Eh putain, la chope était trop loin. Ça vaut un round. Nothing is more fleeting than a ninja's life. I shouldn't expect anything less from the Yasunobe's forces. I must stay alert. If only I can master Mekimaru and fight them off. Excuse, hein, j'ai un message. Alors, ça recherche d'informations sur Mekimaru et qui se fait un chemin jusqu'au lieu de création de l'arme. Le village du clan Manji, cependant, comme les. Ah non, c'est les Manjus, les gars. Les trucs à bouffer. Cependant, des rumeurs planaient sur la venue d'un seigneur de guerre qui aurait massacré tout le clan à l'exception d'un homme, mais alors, cette piste t'acquise. Ça rend rapidement plus vite. It's a long way from the Manji clan's village. Those clothes. He must be from there. Shikisoku, Zeku. What? Vu qu'il y a des restrictions, en fait, on va y aller comme ça. Hein. He must have used word power to control it. It's remarkable he could do it for so long. You did well to see through my contraption. Even so, when I reclaim that foreign sword, revenge shall be mine. That foreign sword? You mean Soul Edge? Soul Edge was a pair of swords. Indeed, there was one that wasn't destroyed. What's this I'm sensing? Gallo Fury. Was the seal broken? Matters have taken a turn for the worse, but this can't be ignored. Alors, Taki avait scellé un puissant démon du nom de Gallo Fury par le passé en jugé à l'art étrange. Aura émanant des passages souterrains situés sous le mont Fuji, Taki devina que Gallo Fury se dirigeait vers le temple Koji. Le voyage de Taki vers Kyoto fut périlleux et elle lui repoussa de nombreuses agressions. Ouais, de la baston! Been a while, Taki. Esteemed leader of the Fuji Bay, please. Let me do what I must. You of all people know the horror that is Gallo Fury. Can you master Mekimaru? Don't tell me you seek the blade too. Do not misunderstand me. I need Mekimaru, but only to stop Toki and his madness.
So you're part of the Urabe faction? Yes. We are entrusted with righting the clan leader's wrongs. But our faction leader is not strong enough to defeat Toki. That is why we need Mekimaru. Through the power of words, you could control Mekimaru for a short while. I shall not ask you for this, but would you be willing to help? I'm an outcast. An outcast have, but... Indeed they do. That not a single outcast... Désolé, il fallait que je réponde à tout prix à ce putain de message, mais voilà, ça fait. D'ailleurs, j'ai peut-être enlevé le rigoureux pour éviter que vous entendiez. You'll be lost to history. Taki, you have done well. You should have been leader of the Fujibe. I will leave it to you to re- I know he was a teacher to you. So, however, I- Are you really letting me an out- If it's to fulfill my faction's duty, I shall call off your pursuers to me, and I shall entrust- And this is- Ranjatai. Incense imbued with the celestial. There is nothing better for- Thank you, but remember, I'll do what I must. Yes. I expect our paths- Shuki. Oh... C'est attendrissant. Une embuscade depuis la tour, Taki faisait son mieux pour voyager sans se faire remarquer. Et tout le monde semblait pourtant savoir où la trouver. Il s'agissait d'Isurugi, un des chefs de la faction Yasunabu. Isurugi était un personnage un peu douteux, connu pour son utilisation des techniques interdites et ses invocations d'esprit vengeurs. I thought I was adept at stealth. Well, our specialty is sniffing out goats. Why are you sticking your nose in? Does an outcast re- I took you for one who'd idly obey to- You're correct. I simply seek Gallo Fury to- What? Tell me, Taki. He's absorbed the power of other demons around him. Mekimaru can take care of Gelo. Huh? I won't fall for your tricks, Taki. What are you hiding? Using a vengeful spirit? Evil. You will tell. Qui est en DLC d'ailleurs.
Il a du mal avec les coups vers le bas. Ah, j'essaie d'en faire, mais j'arrive pas. Ça m'énerve. Merde. Le soutien-vous, j'espère. She used right now. I see. She must have. This. I need to find. Though I'd like to discover his true form, I must focus on sealing. Avec Gelo Fury, Taki par miracle arrive à pousser ses agresseurs et atteindre Kyoto Isologi, probablement prévenu le clan Fuma de son arrivée car de nombreux ninjas l'attendaient au temple Opoji. C'était pas surprenant, mais il lui suffit de regarder son adversaire pour réaliser le problème qui attendait. Hokoji Temple is nearby. An ambush? Yeki! You're possessed by Gek. C'est dommage, Nick Fury, il est chauve, il peut pas mettre de gel. Du coup, ça peut pas être gel au Fury. Oh, désolé pour la blague. Un démon qui utilise le style de mythologie, ok. Voilà, c'était dangereux. J'ai fait le coup. J'arrête avec ça. Faut que j'arrête de faire le con, hein, putain la vache.
Mais elle a tellement une toute petite portée que ça m'énerve. Ever the hard worker. Shut up! Master. What? Did you really think he knew Mekimaru's power paled? Pursuing Toki will lead me to Soul Edge. This must be no. It's time to cross the seas once more. Et c'est la fin pour Taki. Et oui, c'est la fin pour Taki. Donc là-dessus, on va se laisser sur cette petite session sur Taki. Et pas Sir Taki. Voilà. Bon, vous restez, si vous restez jusqu'au bout, vous avez le droit à toutes les blagues de merde certifiées. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Chronique d'âme de Soul Calibur 6. Ciao, bye bye.